Eh bien voilà, nous sommes dans le merveilleux salon des métiers d'art et de la création au Grand Palais et ici sur le stand de Michael Wagner. Michael Wagner est un jeune homme courageux, entreprenant, créatif qui a repris la Maison Charles il y a maintenant quelques années, c'était en 2001. Une belle aventure commence, il met du temps à se réaliser et petit à petit il redonne à cette maison où sa maman allait acheter des lustres quand il était petit, son brillant, sa lumière. Car finalement, il s'agit bien de cela. Ce sont des lustres au départ, mais pas seulement. Ce sont aussi des sculptures. Et puis, sur ce stand, il y a également Céline Alexandre, Norbert Carry, qui eux aussi font de très très belles créations à partir d'images d'or et de brillants sur fond noir. Nous sommes dans une très très belle atmosphère. Et voilà pourquoi suis-je là, parce que j'aime les artisans, j'aime les métiers d'art. J'aime aussi tout ce que la lumière touche de son regard. Et j'ai eu la chance de pouvoir être présent par cette œuvre qui se trouve ici, à ma gauche, qui s'appelle « Synchronisme » et qui est faite aussi de lumière, de reflets sur la pierre et qui va merveilleusement bien, je ne vais pas dire le contraire, avec ces objets exposés. C'est pour moi une joie, mais je dirais aussi un honneur de participer à travers cette œuvre à ce salon des métiers d'art et de la création. Et bien voilà une de mes œuvres qui se trouve ici présente sur ce salon de la Maison Charles, dirigée par Michael Wagner. Synchronisme, c'est la rencontre de la lumière sur la pierre avec des formes ondulées. On pourrait y voir le détail d'un corps de femme ou tout simplement un ange de pierre, de sable aussi. Et puis avec ces objets dorés, avec ces créations magnifiques de Céline Alexandre, on voit que tout cela s'assemble et se ressemble pour le plus grand bonheur de ceux qui vont venir voir et admirer les belles créations de ces artisans de métiers d'art et de création.